Ce jeu est génial. Ouais. Est-ce qu'on a encore le bateau? Le chargement est long. Je pense qu'on a coulé. Non mais c'est un baril de toute façon carré. Dans tous les cas, même avec un baril, c'est compliqué quoi. Ouais, vu le chargement, je pense qu'on a coulé. Rip, hein. Ah putain. Ah putain. Donc là, comme Ah, on a... quel enfer! on a coulé. Alors, ceci dit, Qu'est-ce qu'il y a? au rip-hop ici, je me demande s'il n'y a pas moyen de retourner à notre bateau pour récupérer des trucs. On est où là? Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Tu peux y en arrêter. Oui, okay. Oui, effectivement. Tu te rappelles où on est à peu près ou pas? Faut qu'on le retrouve, quoi, c'est ça? C'est ça. À Après peu les. près, mais très vaguement, tu vois. En fait, je retire, j'ai pas envie de jouer avec des débilos. Mais je sais bien, Pookie, hein. T'inquiète, hein. Je sais que ça te ferait plaisir, mais. Comment allez-vous comme un lundi? Je connaissais pas ça. Ah, mais on avait nos cales remplies de vivres. Les cales remplies de Ah, vivres, les crânes. Et donc là, en fait, voilà, c'est ça le côté éphémère, comme pour un hunt ou autre. Tu vois, extraction et tout, on a perdu tout ce qu'on avait récupéré avant, les caisses, etc., etc., quoi. On l'a coulé. c'est tombé, on va trop galérer. Ah C'était quoi l'avant-poste qu'on cherchait? C'était putain. Sanctuary. Sanctuary, il est où? On a dû couler en haut à gauche. Monte, monte, monte. Voilà, t'es dessus. On redescend. On a coulé par ici, je pense, hein. Ouais, on peut essayer, écoute, hein, voilà, donc plein sud-est, tentons, et on C'est à verra ce qu'il côté, en est. hein. Aïe, 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 aïe. Ah, le piège à con, les barils, hein, Ouais, c'est... ça. Bah écoute, on apprend, hein. On s'en Mais... rappellera, hein, putain. Ouais, le harponnage, on va faire attention. Harpon, oui, mais après confirmation que. qu'il n'y a aucun Pas de baril de baril poudre. explosif parmi les barils, hein. Ah putain, double baril explos, bah c'est rapide hein, c'est-à-dire qu'il a coulé en quoi, en 30 secondes à peu près. Ah bah ouais, c'est ça. Putain. Ça m'étonne qu'il ait coulé aussi vite quand même. Bah double baril explos, il a pris cher hein. Serre un peu à gauche. Ouais. Ah putain. Ça va le faire, ça va le faire. Est-ce que j'ai le temps? Bon, au pire on touche, hein. Le vent il va vers la droite, ok. Alors attends, c'est quelle direction par contre? Sud-est. Sud-est, ok, il faut aller au nord de l'île. Aïe 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 aïe. Ah ça la double. Regarde dans les airs là. On voit un nuage avec. Oui. Ce serait pas juste par hasard notre navire? Oh, ça m'étonnerait que ça soit ça quand même. Bah, je sais pas, ça, j'ai l'impression que c'est pile au-dessus de là où on a coulé. Oui Hein. mais c'est un 3-bas, non non mais là c'est un truc plus vénère. On peut aller par là-bas, je pense que c'est plutôt les navires fantômes. Peut-être qu'ils attendent notre navire ceci dit. On va voir. Putain, on s'est fait éclater quoi. Plus à l'est. Il faut que t'ailles plus à l'est. Okay. Même dans quelques secondes, c'est plein est. Hein. J'en ai aucune idée, Milan. J'en ai aucune idée. Mais ça fait peur. Putain, oh la vache. Ça pique, hein. Ça pique, ça pique, ça pique. Et je te confirme que c'est une fin de bip, ça, pour moi. On verra. Ah petit zizi, il sort pas le concombre, il préfère la jouer. Qu'est-ce que t'as? Il préfère la jouer de petit rallye. Genre ça donne envie d'aller voir. Bah oui Pookie, on est bien d'accord. Et bah ça t'en as plein, parfois t'as des énormes têtes de mort, c'est les camps fortifiés ou autre. Je suis bien d'accord avec toi Pookie. Mais là d'abord on récupère nos trucs et ensuite on ira voir ça tu vois. Attends, je vois un truc là-bas Après, d'ailleurs. le truc que j'ai mis, c'est vraiment à peu près, hein, donc on risque vraiment Y'a de un truc qui galérer. brille. Pareil, vas-y, Y'a un truc qui brille? Bah, lève l'ancre quand tu le sens, hein. Si tu vois des trucs. Non, 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 c'était en dessous du navire, enfin en dessous Alors, en fait, quand tu coules, tes coffres reviennent à la surface. Et donc, tu peux looter, en fait, ton précédent bateau. Voilà. Je sais pas comment ça se passe pour les crânes, je sais que les coffres flottent. Pour les crânes, j'en sais rien. Je vois rien du tout. Hein. Et on a passé la marque, là. On est Tu au-dessus. vois? Attends. Je vais essayer de te guider un peu. Continue de revenir un. Je pense pas qu'on était aussi proche. Ouais, continue dans la même direction en fait. On vient de Old Faithful, ouais. Restons la même Ouais, direction. je En même sais temps, on est rien, la on va nuit, voir. c'est quand même pas de chance. Attends, on est con, on a une vigie, putain, j'y vais. Tente de checker. Ouais. Ah, la vigie, c'est là où elle peut servir hein, pour le coup. Ouais. Et puis, on est d'accord. T'as raison. Hop, hop, hop. Putain, tellement haut le mât. Oh mon dieu. Vache, pas avoir le vertige. Hein. Rien qui brille pour l'instant.
Ah rip hein. Je pense qu'on l'a dans le nonos, dans le cucu. Bah go sur le... Go, allez vas-y. Là à droite sur le... Soit sur l'épave, soit sur le bateau... Tu vois une épave toi? Ouais ouais, là où il y a les traits rouge et vert qui... Ah ouais, bah dans tous les cas c'est vers le... Ah go vers le bateau, allons voir ce qu'il y a vers le bateau. Ça me va, on n'a jamais vu. C'est ça, c'est nouveau. Mais donc oui, tu peux récup Pookie, comme les autres aussi peuvent récup, hein. Rien n'est lié, tu vois. Y a pas de... C'est les pirates, quoi, enfin c'est... Voilà, c'est les pirates. Ah, c'est un navire en face ou c'est un camp? Non, c'est un camp, je pense. Tu vois? Ouais, c'est ça, ouais, c'est un truc fortifié sous l'eau. Enfin, sur la flotte. Tu bien par rapport au nuage, là, ou pas? Non, pas top. Non, non. Si, là, maintenant, c'est bon. Tout droit. Mais je vois rien avec ces putains tout de gros LGBT. Tout droit. J'ai envie de sauter, là, mais c'est vrai que je suis pas dans BF, là. J'ai pas de... Putain, on est vraiment des... Il y a une île fortifiée aussi à gauche, là. Je sais pas ce que c'est. Avec une tour et tout. Ok. Pour l'instant, je vois rien qui est censé faire peur en dessous de ce nuage. Je vois juste une île, quoi. Un peu de brume. Je crois que je dis... Non, c'est un caillou. Non, ça va. Après, oublie pas que comme justement, il n'y a pas d'aspect RPG, tu ne perds que du temps, techniquement. Tu vois l'idée? Tu ne perds rien qui peut te détruire ta game, tu ne perds que du temps. Tu récupéreras toujours ton bateau, tu auras toujours ton snipe, ton tromblon, ton gun, ton couteau. Sachant que tu peux en avoir que deux actifs parmi ces quatre-là. C'est... Mais par contre, oui, tu peux perdre beaucoup de temps. Imagine, tu vois, t'as grid et t'as une chier de trésor, t'as une journée de trésor et tout. Et puis, on t'attaque et puis là, bah, tu te fais défoncer, voilà. Non, là justement, on a le brigantin. Oui, c'est le même bateau qui a coulé, mais oui, qu'on a récupéré par contre. Au tard, Milan. Jusqu'à ce soir. On verra jusqu'à quand Trail est disponible, mais moi, en tout cas, jusqu'à ce soir. C'est quand, le lundi, je stream toujours un peu plus tard, généralement. Au moins, jusqu'à 20h-22h, étant donné que. Bah, demain, je stream pas, quoi. Ah, bah, c'est sûr que je suis casserai avant, moi. Bah, oui, ça, j'en ai pas. Je suis étonné que tu sois encore réveillé, là. Mais bah, ouais, putain. D'ailleurs, Pookie, si Trail te recharrie sur les syncopes, t'as le droit de lui mettre une baffe. Hein. Voilà. Faut stock ses items à un moment, c'est ça. Alors, tu peux. Alors, il y a stock et stock, c'est-à-dire que. En gros, tout est éphémère. Attends, deux secondes, Pookie, on en parlera après, parce que là, je veux savoir ce qui se passe. On arrive sous le nuage. Bah, à mon avis, faut qu'on s'arrête dans les sorties, là. Continue encore, c'est après les cailloux. Hein. Ouais, ouais. Ok, c'est donc... marqué sur la map, ces cailloux ou pas? Je suis tout en haut, attends, je descends. Ah, j'y vais, je regarde. Part du principe. Après, c'est le mec qui s'endort. Oui, mais maintenant il s'endort non seulement à 23h en soirée, mais en plus il s'endort aussi pendant qu'on joue. Non, rien n'est marqué pour l'instant. Ah, mais par contre, t'as pas le droit de me charrier sur le fait de s'endormir à 23h en soirée, t'es au courant? Oui, mais moi je bosse. Plus que toi, on peut le dire, je suis désolé, mais. Tout ce que je fais me consomme beaucoup plus d'énergie que toi. Ah, attends, devant, stop. Vas-y, lève. Alors. Hop. Je vois un coffre qui brille. De toute façon, on peut pas y aller voir. On peut pas. Mais là, je confirme en tout cas qu'il n'y a pas de. Est-ce qu'on va se refaire là-dessus? Et donc, Pookie, ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, tout est éphémère. La bouffe est éphémère, les boulettes de canon sont éphémères. C'est qu'en gros, à partir du moment où tu déco. Faut que les deux personnes déco, hein, donc en gros, on quitte la session, tout disparaît, ok? Tout est éphémère, mais tout se récupère en quelques minutes. Donc, que ce soit les boulets de canon, les planches de bois, tu vois, tout se récupère en... C'est quoi la grosse caisse? Caisse de soie, non? C'est quoi? Pardon? Caisse de thé rare. Ah, bon, ça a du pognon, ça. C'est bon, il y aura rien d'intéressant après dans les barils pour l'instant. C'est ça, sauf la thune et les skins effectivement qui restent, les réputations, parce que selon les réputes, t'as différentes quêtes qui sont plus intéressantes, qu'on démontre de plus en plus fort, etc. quoi. Et je sais plus ce que je veux dire. Mais ouais, toi, le navire a coulé, on rip-up. Et donc le navire, en fait, il rip-up neuf, comme sur en début de session, tu vois. Donc tous les boulets de canon, tout ce qu'on avait chopé avant, les caisses de stockage, etc. Tout était perdu. Ah, se régène la vie. Si on a une barre de vie qui apparaît en dessous, tu vois, si je prends des dégâts, et la bouffe te permet de te régénérer la vie. Bon, attends deux secondes, je stocke juste la bouffe, et je vais t'aider à lever l'encre. Attends. L'île qui est devant nous.
Elle est pas non plus rien, rien à indiquer. J'ai l'impression. Donc là, faut juste avancer là. Mais il est plus là, le nuage. Ah, si, toujours là, il faut là. Okay. Le nuage, il est où? Il a pas bougé? Un peu à droite. Ah, si, il se décale, hein. T'es sûr? Bah, on se défend en PVP, c'est plus j'imagine. PVP, PVE pour le coup. Hein. Mais oui, c'est pour tout en fait. C'est les boulettes canon, ça descend très vite. Donc t'as la bouffe, qu'est-ce que t'as utilisé d'autre? Les planches de bois pour réparer le bateau, les petits types de bouffe, les boulettes de canon, après les différents types de boulettes, t'as les boulets à chaîne pour détruire les mâts, les boulets incendiaires, des boulets qui projettent, des boulets de canon brut qui font des trous, littéralement. Ah, l'alliance des Salty Tormentors, la bataille pour Sea of Thieves. What? Ok. Ah, plus à gauche. Alors là je vois vraiment rien foutu pied d'un par rapport au rocher. À droite, droite. Oh putain de merde. Ah ça c'est PVE. Ça me va. Sauf qu'on est trop haut. On est en haut. Ah merde, il est pas chargé celui-là. Ok, on est bien. J'ai plus de boulets. J'y vais. Plus de boulets. Des boulets. Évidemment. Oh la vache. On en a pris un. Oh bah tiens. Ah j'ai pas de bouffe non plus. Je crois qu'on se fait attaquer par d'autres trucs. Oh putain de merde. On tient. Je récupère de la bouffe moi. Je répare. Est-ce qu'on a d'autres trous? Non. On va trop vite par rapport à eux. Merde, je vais lever les voiles. Vas-y. C'est bon, hein, c'est réparé et copé. Gauche aussi, on s'est attaqué, putain. Non, sinon c'est pas drôle. Je vois plus sud-droite, okay, sud-droite il est loin. Je vais réparer. Hein. Vas-y, je bombarde. Je les touche. Hein. Fais gaffe un peu à la direction, si jamais ça va pas, tu me dis je remonte. Hein. Ça roule, pas de soucis. Tiens le coup, hein, je les défonce. Hein. Ils prennent très cher aussi. Il vient de m'aider à enlever l'eau là, je pense. Ça va. Okay. Je continue de bombarder parce que là. J'ai déjà plus de boulet de canon, putain, il tourne à une vitesse. Ah oui, non, c'est très chaud là. Je t'aide. Non, mais ça fait 30 secondes que c'est comme ça, hein, ça va attaquer. Ok. Tu tiens? Ouais, je reprends les boulets de canon et je continue le truc. Tiens, voilà Pookie, à tous les events. Eh bah, écoute, t'es servi. Ils ont. Faut que tu bouges la barre. Si tu peux. Je peux le faire si tu veux. J'arrive. Vas-y, fais-le. Parce que là on arrive sur une île. Ok, je me suis mis un peu sur la gauche. Ok, ça s'est calmé cette impression. Ouais, il faut qu'on y retourne. On est en train d'en sortir en fait, faut retourner dans la zone pour se fight. Ah merde. C'est là que la troisième personne effectivement fera la diff, quoi, tu vois, pour réparer. Un à la barre, un qui répare et un qui. Yep. Non, on a vraiment pas beaucoup de boulets. Est-ce que c'est stratégique de retourner maintenant? Si, parce qu'il y en a dans les. Oublie pas qu'il y en a dans tous les tonneaux. En tout cas, les navires, c'est ça. Hein. C'est. Enfin, le navire dans le ciel, je pense que c'est ça. Go, hein. Moi, ils ont pris cher. Ah, mais je tourne, hein, mais. Je suis trop chaud pour la défense, là. Reaper side out. Les deux canons sont chargés. Ok. Oui, t'as vu les films Pirates des Caraïbes ou pas, pour la curiosité? Ouais. Ah, pfff. Juste la trilogie de base, hein, le reste c'est de la merde. Ça va passer. On va lever la voile ici aussi. Boulet de canon. Ok, tous les canons sont chargés, j'ai 10 boulets sur moi. Prêt au combat. On swing sud droite là, ok. Maintenant, près du bateau de droite. Là, ouais. Je tire. On prend en poursuite. Donc on est d'accord, le chat c'est du 100% PVE. Hein. Putain, c'est tellement stylé qu'ils ont rajouté ça. Le cinquième c'est du fan service qui est ok tierce en plus, le quatrième c'est une merde infâme. Il y a deux navires en fait l'un devant l'autre. Il y a un galion et. Je sais pas quoi d'autre. Mais ils ont pris quand même pas mal de boulets dans la gueule. Hein. Hop, fausse régène. Remets-toi bien full life aussi, c'est pas déjà le cas. Ouais, bonne idée. On a vraiment peu de vivres aussi. Ah, on aurait été plus près. Ah bah c'est clair. Évidemment, 100% PE tant que des gens viennent pas vous péter la gueule, hein, bien sûr. Non, on la met les voiles à fond. Hein. Bien les voiles à fond là, parce qu'ils vont vite. Hein. Ah bah elles sont à fond les voiles. Hein.
tellement stylé qu'ils ont rajouté ça. Ça, c'était un rêve à l'époque. Hein. Ok. Ouais, faut bien viser. Prépare-toi. Gère comme tu peux, barre et. Ok. T'es prêt? Ouais, ouais, vas-y. Parce que ça va réattaquer. Hein. Et c'est parti. Allez, bim! Défonce. Oh, le feedback est tellement bon des boulets de canon. Tu dois retourner et tu pourras les attaquer par la gauche. Ouais, je suis prêt, attends, je récupère des boulets. Hop. On a ce qu'il faut en vrai, ça va. Ça tient, ça tient, ça tient. Ouais. Tu tiens le coup? Ah ouais, ça va, ça va. Je lâche rien non plus. Tout ce qui, tout ce qu'ils nous mettent, ils prennent. Hein. Mais t'as levé l'an? Non, non, j'ai rien touché. Ouais. Pas touché. Hein. Ah. Notre encre, elle a été jetée. Hein. Ah, j'y ai pas touché. Hein. Pas moi non plus. Je t'aide. Bon, on bouge là, parce que là, immobile, c'est une catastrophe. Ouais. Oui, Pookie. Hein. Et ça marche très, très, très bien. Je le valide à 100% l'utilisation de l'épronage. Hein. Oh là, le bateau est quasiment coulé. Hein. Ah, yes. Excellent. Faut que tu m'aides à. Ouais. On est coupé. Faut que t'ailles réparer là. On va réparer, moi je fais que écoper. Ok. C'est bon, c'est bon. Fais gaffe à la direction aussi si tu peux. Ouais, ouais. Je riposte un peu. Direction, on est bon. Tu tiens le coup? Ouais, ouais, ça va. J'ai plus de boulets, mais quand ceux qui partent aussi vite les boulets, c'est un délire. Oh ah ouais, le bateau, il y a beaucoup de trous là, non, c'est ça? J'ai quelques trous. Je t'allais écoper. Oh la vache! Quand ceux qui a 10 boulets qui partent aussi vite, j'ai pas tiré 10 fois pourtant, je comprends pas. Merde, on a plus de barres. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, j'écope, prépare. Il se rapproche tôt, là faut tirer là. Allez. Là ils sont parfaits là. Oh je les ai éclatés sur le. Ils ont plus de canon. Yes, nice. Faut la barre, faut que tu remontes si tu peux. Ah ouais. Parce... mais là on va couler en fait. Vache. Jacob, maintiens la barre. Jacob, Jacob, maintiens la barre si tu peux pour nous ramener. Parce que là ils ont je les ai éclatés sur le. En surface. En fait, c'est des canonniers, hein, c'est un équipage de squelettes. Hein. T'as pu réparer le cabestan ou pas? Ouais, ah ouais, c'est bon. Vas-y, ramène-nous vers eux, ils sont de l'autre côté du truc. Je cherche les trous. Où est-ce que... Ok, vu le trou, il est là. C'est tellement stylé. Est-ce qu'il y a un autre trou? J'ai pas l'impression. Ok, impeccable, on est bon. Ah non, j'avais pas vu celui-là. Bon, ton lit est un peu mouillé. Hein. Oh, c'est pas grave. Tu nous as ramené vers le bateau? Ouais, ouais, on se dirige vers eux, t'inquiète. Ok. On a quoi encore en boulet? Ça va. On va tenir. Ils doivent plus être loin de. Ils réparent aussi, non? Je me demande. Ils sont, c'est... Ok, ils sont plein devant. Impeccable. On les garde sur la gauche, ok? On est la bande de bâtards. C'est parti. Ils sont à l'arrêt. Hein. Il y en a un autre petit. Celui-là, non, c'est l'autre, ok. Bon, il fait quoi le. Merde. Putain. Oh, le son du boulet qui est pas juste à côté. Faut que tu répares en bas. Okay. Ouais. Ah non, on a plus. Ça se tire pas les autres boulets? Ah merde. Attends, fais voir.
refaire un autre truc pour lui. Voilà, s'il n'y a plus le squelette, ils peuvent plus tirer. Je vais faire le tour du caillou là, mais... Je crois qu'ils sont ils sont paralysés les deux. Hein. Tu tiens le bateau ou pas? Ah ouais, t'inquiète. J'essaie de buter leur capitaine. Je sais, ce que je veux dire, si tiens le bateau, c'est en termes de points de vie. Hein. Ça va, ça va. Est-ce qu'il y a encore des trous? Le problème là, c'est qu'on a plus. Donc ici. Ça ne se tire pas les boulets. Ah, les autres ils font que se lancer en fait. Hein. Ah, on a plus du tout. Attends. Ah, je peux peut-être utiliser ça ceci dit. Pourquoi j'arrive pas à utiliser les boulets chaînés? Vraie question, le chat. J'arrive pas à tirer. Cette direction. Je comprends pas pourquoi. Ah, si, c'est bon, ok. C'est bon, c'est bon. Ah, ouais. Oh, on est bien en termes de direction. C'est pas mal. Ok, faut que je mieux que je gère. Ok, ok, ça va faire, ça va faire. Je pense à comprendre. Presque. Allez, non, mais on bouge trop. On a sur un... on va tourner autour du caillou. Ouais, ouais. Bah, je sais, mais... j'ai pas beaucoup d'autres solutions, en fait. D'accord, en fait, je peux... ok, non, mais j'ai compris maintenant. Parce qu'en fait, il faut que je... quand je suis sur le canon, il faut que je navigue sur les boulets. C'est ça que j'ignorais, en fait. Hop. Je t'en ai pas écopé. Calme. C'est vide en bas, en vrai. On est pas mal. Est-ce qu'il y a du trou? Je check s'il y a un petit trou en attendant qu'on soit à nouveau en mesure de taper. Je vois pas pour l'instant. Salut Krusdar. Oh, le tir, il part tellement à Babelwood. Ok, le petit navire là, ils sont quasiment finis. On n'irait pas sur leur navire pour récupérer des boulets? Ouais, pour le gros, ça peut le faire. Rapproche-toi du petit, essaie de le rapprocher. Ouais. Moi, je vais essayer de péter leur. Pas encore. Tu veux pas que je te. Tu veux pas y aller avec le canon? Pas encore, pour l'instant, on est encore trop. Ouch! Ouais, c'est parce que. On a bientôt plus de bois. T'es sûr pour le bois? Attends, on se rapproche. Ils vont prendre cher parce que là, je vais, je vais leur cramer leur gueule. Dans pas longtemps. Allez, encore un peu. Maintenant. Là, ils là, ils aiment pas là. Nice. Ok, là, ils ont pris très très lourd. Il y a une tête de mort qui est apparue juste devant nous maintenant. Ça, c'est une île fortifiée. On verra ça plus tard, step by step. Ouais. On a encore quelques boulets qui font boom. Ça peut peut-être suffire pour les deux en vrai, parce qu'on en a quand même mis un paquet, hein, donc. Bah tiens, il est là, hein, le gros. Ouais. Ouais. Je vais le choper, je vais le choper. Boulet incendiaire, allez. Je touche là. Yes. Allez, boulet du chaos. On va y prôner, hein. Défonce. Fais gaffe en bas, la fois là en bas je pense, hein, fais voir. Ouais, faut aller en bas, vas-y, vas-y. J'y vais, j'en répare un. Ok, c'est bon. Côté bois, ça donne quoi? Bah, on est vide. Hein. On est vide? J'en reste un, je crois. J'en ai 4 dans mon inventaire, c'est tout. Ok. Ok, à droite. Putain, c'est le pas. Lâche le boulet, lâche le truc, toi. Ok. Ah, il nous lâche pas, hein. Salopard, quoi. Moi, j'ai quasiment plus un boulet, je crois. Attends, est-ce que j'ai encore des trucs peut-être à gauche? On a plus rien, faut qu'on se casse. Ah bah, moi j'ai plus rien. Plus de bois? J'en ai plus non plus. Hein. Oh là! Ouais, cassons le bois alors. Cassons, tant pis. On reviendra. Par contre, on sait qu'on reviendra direct. Sans nous là, je vais m'occuper de décoper pour qu'on tienne jusqu'à arriver sur une île. Hein. Okay. Ah putain, c'est dommage, mais c'est stylé. Hein. Qu'est-ce que c'est stylé, putain! Ah, ils sont. Deux, putain!
Je vais coper. Sors-nous de là. Ouais, là, tu vois, ce qui nous a manqué, c'est vraiment les ressources. Ça va, ça tient niveau écopage. Attends, fais voir c'est quoi l'île la plus proche. Ok, en plein devant. Reste exactement tout droit où on va. Ok, il y a une île vraiment pas loin. Ah, c'est trop trop bien que ouais, là je suis en kiff 3000, hein. Je sais pas pour toi, Train, mais c'est. Ah ouais, c'est stylé. Je suis un peu deg de pas, de pas pouvoir les buter parce que. Ce qui doit être vraiment bas en plus, qu'on les a éclatés. Les... En fait, t'as les boules incendiaires, c'est la folie. Hein. Ça a explosé de tout, enfin, c'est trop trop classe le visuel quand ça. Garde le cap. Hein. Oublie pas qu'on ouais, est en... Navire squelette coulé. Oh. Oh, trop stylé. Ils ont dû, avec toutes les avaries qu'ils avaient, peut-être qu'eux aussi ils ont des limites, hein. Bah ouais. Donc on a dû avoir un des deux là. Plus 1000 de thunes d'ailleurs. Ok. Impeccable. Attends, on s'en est où Putain, on en a eu un, Ah, on y est presque, ok, un peu sur la droite. Oh, on en a eu un sur deux, navire squelette coulé. Hein. Trop bien. Bon bah, tiens, on cherchait une raison d'avoir des vivres, Pookie. Ben voilà. En voilà une bonne raison. On a épuisé les boulets de canon, on a épuisé la bouffe, on a épuisé les planches de bois, on a tout épuisé pour cette bataille. Mais c'était absolument fantastique. C'était vraiment le feedback des boulets de canon qui volent dans tous les sens. C'est. En les blancs peut-être. Ah mais non, en fait, elle est toute petite cette file. Ah mais bon, écoute, hein, si on a 2-3 trucs, j'ai jeté l'encre, ça va clair. Non non, on a écoulé juste avant la bataille en fait. Les ressources. Ah ouais, mais c'est. Oui, mais ça qui est bien quoi, c'est que ça. On avait que le truc de base, Ruzda. On avait que les trucs de base, on en avait énormément avant. On s'aurait pu être une bataille dantesque. Avant, on avait plus de 100 bois et tout. Le problème, c'est qu'on s'est fait avoir sur un truc à la con. J'ai harponné un baril de poudre hein, qui était dans l'eau. Je ne savais pas que c'était un baril de poudre. Hein. Et on avait déjà un baril de poudre sur le navire, donc on a eu une double explosion, ce qui a coulé le navire en moins de 30 secondes. Chrono. Et alors qu'on avait, genre, on était full compo. Mais un délire, hein, tellement on était full compo. Hein. En parlant de ça, il y a une jalouse là. Ce qui est pas mal. Donc ça aurait été parfait, tu vois, pour le truc. Mais unlock. Oh, c'est tellement bien. Tu peux faire des pièges avec des barils de poudre. Ou tu peux prendre ton baril de poudre, nager et l'amener sur le bateau adverse et le faire péter. C'est une possibilité aussi. Enfin, les possibilités sont nombreuses. Le jeu est génial, Zark. Toi qui aimes bien le côté RP, Zarkiel, pour ça, le jeu il est fantastique. Pour le RP, il y a un potentiel. Il y a un potentiel monstre. Hein.